nouvel exécutif régional a, à la demande de Laurent Wauquiez, décidé de lancer une nouvelle feuille de route sur les mobilités, que l'on appelle le feuille de route Mobilité positive 2035. Donc, c'est fixer les grands enjeux en termes de mobilité dans notre région à cet horizon 2035. Et pourquoi mobilité positive? C'est qu'on ne souhaite pas opposer tel et tel type de mobilité. On considère que tous les types de mobilité, du piéton à l'avion, ont un sens dans notre région. On est une région extrêmement rurale. On sait que tout le monde peut aller dans un car ou dans un métro, ça n'a pas de sens. A contrario, on est une région où il y a de grandes métropoles, donc il faut avancer sur des sujets comme le RER, sur des sujets de report modal. Donc c'est tout cela que l'on repose en concertation avec tous les territoires, d'où le fait aussi que je réalise en ce moment la tournée de tous les départements pour poser cette concertation et avancer sur cette feuille de route Mobilité positive 2035.